savait que le gouvernement allait prendre une mesure, une mesure qu'il présentait comme exceptionnelle. Donc, euh, certains, en tout cas, pouvaient s'attendre à quelque chose d'étonnant, et euh, d'étonnant euh, dans tous les sens du terme. Et, euh, et en fait, eh l'annonce, c'était ce chèque de 100 euros. Et là, ben, on se dit que le gouvernement, ben, il continue à se foutre de notre gueule. Alors, en fait, il sait faire que ça, et puis il sait très bien le faire. Et 100 euros, ça représente réellement rien. Alors c'est vrai que les gens qui sont très pauvres ou en grosse difficulté, évidemment qu'on imagine bien qu'un chèque de 100 euros, ça soulage, mais ça répond en réalité à... À rien du tout sur la sur le temps et euh, on sait que entre l'augmentation de l'essence, l'augmentation de l'électricité, qui sont des produits, on va dire de première nécessité parce que c'est incontournable. Et puis en réalité, le coût de la vie augmente et surtout à côté de ça, eh bien, finalement les revenus sont toujours aussi bas. Donc voilà, donc on est vraiment dans une mesure hyper électoraliste, une mesure où on sent bien qu'ils savaient pas comment faire et qu'il fallait prendre une mesure. et Ils ont pris le minimum possible en essayant de voir, en espérant que ça passe. Et nous, il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça ne peut être que de la colère le sentiment d'être méprisé, le sentiment euh, d'un gouvernement euh, complètement déconnecté et qui se moque euh, de, de, de la population et ça se confirme. Alors nous on est convaincu déjà qu'un État ou qu'un gouvernement il a d'autres outils en place que de faire des petits chèques comme ça et en fait le véritable moyen d'action c'est celui d'augmenter les revenus pour toutes et tous. Donc euh, c'est évidemment la question des salaires qui est centrale. On le voit, la difficulté qu'ils ont hein, de discuter des salaires, ils savent bien que c'est très bas, qu'il faut les augmenter, mais euh, mais voilà, il n'y a jamais de solution de ce côté-là, c'est toujours sous la forme de primes. Donc oui, il faut augmenter les salaires pour tout le monde, dans le public, dans le privé, puis il faut augmenter les minima sociaux, il faut augmenter, enfin de manière, en tout cas, à ce que les gens puissent vivre décemment. Donc pour nous, un revenu décent, c'est 1 800 euros minimum net euh, entre 800 et 2 000 euros, parce qu'on sait d'ailleurs, le gouvernement a bien compris que euh, c'était à ce niveau-là que les gens pouvaient vivre, puisque son chèque de 100 euros, il le donne à ceux qui ont un revenu moins en dessous de 2 euros. Donc ils ont bien compris que c'était vraiment le, le, le niveau qu'il fallait à, pour pouvoir vivre correctement. Donc il faut augmenter les salaires, au moins de 400 euros pour tout le monde, et puis voir comment les grilles s'adaptent à cette augmentation du SMIC, et puis donc encore une fois, les, tous les minima sociaux. Il faut une pression populaire, il faut des revendications, il faut pousser pour les avoir, mais c'est réaliste techniquement ou financièrement, ça l'est, puisqu'on voit bien euh, les milliards qui s'accumulent du côté des dividendes, du côté des profits, des grosses fortunes, il y a de plus en plus de milliardaires, les milliardaires sont encore plus riches qu'avant, donc on voit bien qu'il y, qu y, qu y a des moyens, et puis on voit aussi euh, du côté de la fraude fiscale euh, ou de l'évasion fiscale, on a vu des chiffres très récents euh, qui sont le résultat d'un travail ou d'une enquête de pas mal de journalistes, où on sait qu'aujourd'hui, ça se confirme et, euh, et ça va même dans le pire. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner pour l'État de 80 à 100 milliards d'euros. Et, euh, et c'est cet argent-là qu'il faut aller récupérer. Donc il faut prendre des mesures de contrôle et des mesures de réquisition du côté de toutes ces grosses fortunes qui trichent. Parce qu'on est véritablement devant euh, un spectacle de détournement d'argent euh, public, en plus, de, de richesse collective. Donc c'est ça qu'il faut récupérer. Donc il y a ça. Et puis on sait très bien que plus on embauche dans les services publics, plus on recrute un peu partout. Ce sont aussi des cotisations so sociales qui rentrent dans les caisses euh, publiques. Et on sait que c'est tout ça et par ce biais-là qu'on peut alimenter réellement euh, enfin des caisses pour pouvoir payer les gens et pour pouvoir les recruter. Donc euh, en fait, c'est des choix politiques. Voilà, il n'y a rien qui empêche techniquement, c'est des choix politiques et c'est évidemment s'en prendre à la logique marchande et libérale depuis des tas d'années et c'est la question de la répartition des richesses.